Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandinio, c'est Monsieur Moseka Malheur Moderne, Pesminonio, son beauté, beauté, bonjour. Voilà, en fait, aujourd'hui, je vais vous montrer ma dernière trouvaille, mon dernier achat. Voilà, j'ai acheté une petite, un petit hachoir à viande parce que j'ai régulièrement besoin de faire du haché, d'acheter du haché de poulet. Ça commence à devenir cher et en plus, je ne suis pas très sûre de la qualité, donc j'ai décidé de faire mon haché de poulet moi-même. Et donc ici, j'ai désossé environ 3 cuisses de poulet parce que je n'aime pas le haché. En fait, le souci, c'est qu'au magasin, à la boucherie, ils vendent du haché de poulet à base de blanc de poulet. C'est hyper fade et lorsque je leur demande du haché à base de cuisses, donc ils me font payer les cuisses d'abord, ensuite ils me font payer le fait qu'ils ont haché, donc ça devient très cher. Donc j'ai décidé d'acheter ce petit appareil pour notamment faire nos samoussas au poulet et également pour hacher du veau pour faire mes ailes de poulet farcies. Il faut savoir que cet appareil n'est pas un appareil industriel, donc si c'est pour faire des grandes quantités comme des 25 kg, ça ne conviendra pas. Donc moi je vise 2 à 5 kg à chaque fois. Parce que pour mes ailes farcies, j'ai besoin de 2 kg de haché pour 20 kg d'ailes. Tout le reste, c'est des légumes. Donc on met par exemple 2 kg de haché, 6 kg de légumes. Quand on le cuit, ça donne une bonne farce. Voilà. Donc on va tester. Hein. Je teste sous vos yeux. Donc ici, c'est un petit poussoir donc pour pousser la viande. On va commencer par mettre de la viande à l'intérieur. Tant que vous n'avez pas mis la viande, ça ne fonctionnera pas. Hein. J'en avais déjà mis un petit peu au préalable. Donc il y a déjà un peu de viande dans le fond. Donc je fais ça, j'allume. Donc c'est la première fois, hein, donc soyez indulgents. Attendez. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on pousse. Je crois qu'il faut pousser en même temps, je ne sais pas. Voilà. Je vois déjà de la viande qui arrive, je vais en rajouter parce que, à mon avis, ça doit être bien chargé. Voilà, je rajoute de la viande parce que je crois qu'avec très peu de viande ça n'ira pas. Voilà. En fait, il faut mettre ça sur on. Voilà, je viens de trouver comment ça fonctionne. Ça doit être positionné sur on. Et à ce moment-là, quand on met ici, on ne doit plus tenir. Donc, je découvre, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, voilà, parce que je me disais, c'est pas possible. Voilà. Donc, ici, je vais faire entrer la viande.
Voilà. Donc, là, dans l'éventualité où on aurait voulu des, comment dire, une découpe plus grosse, on change l'accessoire qui est à l'intérieur. Et si on voulait une découpe plus fine, il y a également cet accessoire. Voilà, il y a deux accessoires. Il y a encore un autre accessoire. Ça se place là à l'intérieur quelque part. C'est au cas où on voudrait faire des saucisses. Et puis ici, on met le plastique à boyaux. Ensuite, la saucisse se met directement. Et ça aussi, c'est un accessoire pour au cas où on veut faire de la saucisse. Également, ceci. Voilà, donc c'est très facile à utiliser. En fait, au début, j'ai galéré parce que je ne savais pas comment maintenir le bouton. Donc, le grand bouton, il y a deux boutons. Le grand, il doit être sur « On ». Ce qui va bloquer directement et alors on jongle avec celui-ci en appuyant, ça fonctionne directement. Voilà, c'est parfait. Bon, maintenant avec ce qu'on a obtenu comme viande, je vais faire un hamburger au poulet fait maison. Je reviens. On va mettre un petit assaisonnement quand même, je mets de l'ail en poudre. Chacun met ce qu'il aime, hein, donc ça sert à rien de me demander la recette. Parce que là, je suis en train de faire en tout cas ce que j'ai. Vous mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de recette particulière, ça vient comme ça. Voilà, ça c'est de la viande hachée, donc nature. Hein. Donc vous avez vu, je l'ai mixée devant vous, donc elle n'est pas salée. En général, dans le commerce, ils vendent de la viande hachée déjà assaisonnée. Parfois, c'est trop salé. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien de faire soi-même. Quand c'est fait maison, on sait ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de conservateur. Je veux mettre 3 cuillères de sel hein, pour commencer. On goûtera après. J'ai mis de l'ail en poudre. J'aime de l'oignon, donc je vais mettre de l'oignon en poudre. Là, je vais mettre 3 cuillères aussi. Même 4. C'est une cuillère plate, c'est une cuillère à kiwi. Voilà, ici, je vais mettre du persil en poudre. J'ai fait le choix de tout prendre sec. Hein. Voilà. Voilà. Si vous aimez le paprika, vous pouvez mettre un peu de paprika. Vous mettez ce que vous aimez. Donc ici, pour aujourd'hui, on va déjà commencer avec ce que j'ai mis là. On va bien mélanger. Ensuite, on va façonner un hamburger. Il y en a même qui mettent de la moutarde. Donc c'est vraiment chacun. Chacun met ce qu'il aime. Mais moi, j'ai fait le choix de ne pas mettre trop de trucs humides. Parce que, voilà. Sinon, si vous mettez trop de choses humides, il va falloir mettre des choses... pour faire tenir en place. Donc il y a d'autres aussi qui mettent de l'œuf pour tout faire tenir en place. C'est un petit peu comme vous voulez. On peut aussi mettre un peu de chapelure si on veut vraiment que ça que les morceaux ne s'échappent pas. Mais la prochaine fois, en fait, ici, j'étais pressée. Vous pouvez déjà au préalable couper votre viande en cubes. Hein. De gros cubes, ça sera plus facile pour mixer. Parce que je vois ici qu'il y a certains morceaux qui n'ont pas été bien pris. Bon, aujourd'hui, je ne vais rien mettre, je ne vais rien ajouter. On va se contenter de ce qu'on a mis là. C'est un premier essai. Hein. Donc je devrais travailler la recette. Voilà. Donc maintenant je vais aller chercher mon petit accessoire pour faire le burger. J'ai mon petit accessoire ici. Donc je vais mettre ma viande. Ici, c'est vraiment nature. On n'a pas mis d'œuf. On n'a rien mis parce qu'il y a d'autres personnes qui sont allergiques. C'est pour ça que parfois, il faut faire soi-même. Hein. Ce qu'on trouve dans le commerce, il y a toutes sortes de choses dedans. Voilà. Donc maintenant, on va façonner donc notre hamburger.
Et voilà. Ça, quand on va aller sur la poêle, on va le retourner dans l'autre sens. Et on va pouvoir cuire ce burger. Je reviendrai avec le burger cuit. Et voilà. Donc on a cuit un hamburger. Mais je demande votre indulgence parce que là, je l'ai vraiment fait à l'arrache. Premier test, donc je vais m'améliorer. Mais sans mettre d'œufs ni quoi que ce soit, ça a quand même tenu. Donc on pourra améliorer prochainement. Voilà donc notre hamburger de poulet fait maison, 100% bio. L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit au revoir. Bye.